Bonsoir mesdames et messieurs, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir les candidats de ma thèse en 180 secondes qui sont au premier rang et qui attendent vos applaudissements pour se réchauffer un peu le cœur? Alors, je tenais à vous dire que je suis très, très heureux d'animer cet événement ce soir et surtout de voir autant de gens ce soir pour venir écouter des recherches en cours. J'appelle Corinne Miral avec moi pour vous expliquer un peu les règles de ce concours, qui est directrice du pôle doctoral et qui va vous révéler un petit peu les dessous de ce concours. Les dessous, c'est beaucoup dire. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour écouter les doctorants donc, qui vont venir vous faire partager leur sujet de recherche. Donc, quelques mots pour vous réexpliquer le concours, sa genèse et les règles du jeu. Donc, ce soir, c'est le pôle doctoral de Nantes donc, qui vous accueille, donc, l'Université de Nantes, l'École centrale de Nantes, l'IMT Atlantique et Oniris. Et donc, vous allez écouter des candidats de ces différents établissements et travaillant dans des sujets de recherche extrêmement variés. Vous allez le voir dans quelques minutes. Alors, ma thèse en 180 secondes, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, donc qu'est-ce que c'est? C'est un concours donc, qui est issu du Queensland, qui a été importé au Québec tout d'abord, puis diffusé en France à partir de 2012 via la conférence des présidents d'université et le CNRS. Alors ce concours, qu'est-ce qu'on attend des doctorants qui participent à ce concours? Donc ce qu'on va leur demander, c'est en 3 minutes d'expliquer leur sujet de thèse, leurs travaux, leurs recherches, à un public non spécialiste, donc en des termes clairs, concis et qui vous parlent à tous. Donc l'un des critères de jugement est bien sûr celui-ci, c'est le critère principal. Au niveau des règles, il y a des règles relativement strictes. Donc, ce concours est un concours en français, exclusivement donc, destiné aux pays francophones. Donc, les doctorants doivent parler en français exclusivement. Ils ont 3 minutes et pas une demi-seconde de plus. Un chronomètre va se déclencher dès qu'ils vont commencer à parler. Et au bout de 3 minutes, il va s'arrêter. Si le candidat continue à parler, il est disqualifié. Donc, de toute façon, il faut tenir 3 minutes et pas plus, ou il faut conclure à ce moment-là. Au niveau des supports, une seule diapositive non animée est autorisée. Les candidats n'ont pas le droit d'être déguisés, d'avoir des accessoires, à part leur feuille de notes, comme moi, si besoin, mais c'est tout. Je vais vérifier si je n'ai rien oublié, d'ailleurs. Donc, le participant n'est pas autorisé à interrompre lui-même sa présentation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il parle pendant 3 minutes ou quelques secondes de moins. Et aucun support audio ou vidéo n'est autorisé. Les textes aussi figurant sur la diapositive doivent être exclusivement en français. Donc, ce soir, 10 candidats vont se présenter devant vous. Parmi ces 10 candidats... 2 candidats seront sélectionnés, donc un par les votes du jury, un autre par le vote du public, donc vous serez amené à voter, on vous expliquera comment tout à l'heure. Et 2 autres candidats seront également sélectionnés, puisque 4 candidats nantais iront représenter donc le pôle doctoral nantais à la finale interrégionale le 21 mars au Mans. Donc ce soir, nous aurons 4 candidats sélectionnés. Un qui recevra le prix du jury et un qui recevra le prix du public. Pour la suite, je pense qu'on va laisser les candidats s'exprimer et puis l'animateur vous expliquera les règles de vote tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Alors ce soir, il y aura un prix du jury que vous remettrez. Mais il ne fera pas la qualification. Ce qui fera la qualification, c'est le vote du jury que nous avons rassemblé. Alors il y a un panel de différents intervenants qui représentent chacun une dimension de la vulgarisation scientifique. Donc nous avons Cyril Monroe qui représentera le monde de l'art et qui est juste ici, que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup de faire partie de ce jury. Qui est maître de conférence et directeur du département de chimie à l'École normale supérieure, pardon, représentant du monde de la recherche, pardon, ce qui est un spectacle aussi, vous allez le voir, du monde de la chimie. Agathe Petit, qui est rédactrice en chef du Labo des Savoirs,
Valentin Bovino, qui est CEO du CLAC, administrateur de l'association Pickup Production, qui est bien connue à Nantes. Sandrine Bender, qui est CEO de Meiko, qui est la représentante du monde de l'entreprise avec nous. Et Corinne Miral, donc, vous venez de voir, qui représente l'université. Alors, sans plus tarder, je vais appeler la première candidate à nous rejoindre. Pour commencer directement cette soirée, c'est pas facile de commencer, alors je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Julie Paradis. Je vais vous raconter une histoire d'amour. Elle commence très tôt, dès la maternité. Et oui, nous sommes tous prédestinés. Homer et Marge ne sont que de petits fœtus lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois dans la salle d'attente du docteur Neurone. Homer est dans le ventre de sa maman. Sa maman travaille dans un fast-food. Elle a tous les repas gratuits là-bas. Elle a une bouteille remplie de soda dans une main, un hot-dog dans l'autre. Son sport favori est de regarder le meilleur pâtissier à la télévision. Marge aussi est dans le ventre de sa maman. Sa maman travaille à Fitness Park. Contrairement à la maman d'Homer, elle a un régime alimentaire très sain. Elle vient d'ailleurs de télécharger la super application Minceur pour garder sa ligne parfaite. À votre avis, dans 30 ans, Homer a-t-il plus de chances de ressembler physiquement à sa maman ou à celle de Marge ? Dans mon laboratoire, nous cherchons à mettre en évidence le lien entre l'alimentation périnatale, c'est-à-dire du stade fœtal jusqu'à quelques semaines après la naissance, sur le comportement alimentaire à l'âge adulte. Dit plus simplement, nous voulons prouver qu'Homer a plus de chances d'être addict aux donuts et de devenir obèse, contrairement à Marge qui aura une ligne parfaite comme sa mère. Dans le cerveau de Marge et d'Homer, mais aussi dans le nôtre, il y a un réseau neuronal intitulé le circuit de la récompense qui conditionne la motivation et le plaisir, notamment dans le domaine alimentaire. C'est ce circuit qui va faire que vous allez préférer le chocolat aux épinards et que vous aurez toujours une petite place pour un dessert, même après un repas très copieux. Pour être content, le circuit d'Homer semble avoir besoin d'une alimentation plus riche que celui de Marge qui se contente de sa barre de céréales. C'est l'exposition différente à l'alimentation au stade périnatal qui a modifié le cerveau d'Homer. Pour vérifier cela, j'ai travaillé avec deux groupes de rats. Un groupe de rats dont les mamans ont eu un régime bien hypercalorique comme celui de la maman d'Homer, et un groupe contrôle dont les mamans ont reçu un régime sain, comme celui de la maman de Marge. Avec une série de tests comportementaux, on a montré que les ratons à maman hypercaloriques ont tendance à reproduire ces comportements alimentaires. En faisant des analyses moléculaires sur le cerveau des deux groupes de ratons, on constate que les circuits de la récompense des deux groupes sont différents. Les gènes codant pour la neurotransmission ne s'expriment pas de la même manière, pouvant altérer la communication entre les neurones et donc le comportement alimentaire. C'est pourquoi on a un groupe de ratons qui a le même appétit qu'Homer. Cependant, ce goût pour les donuts qu'Homer développa très jeune lui permit de rencontrer Marge dans la pâtisserie où elle travaillait. Ils se marièrent et eurent 3 enfants. Espérons qu'Homer ne leur transmette pas ses mauvaises habitudes alimentaires. Merci. Bravo, merci beaucoup d'avoir ouvert le bal. Peut-être une petite question rapide. Homer peut transmettre ses habitudes parce que lui ne porte pas le bébé. Est-ce qu'il peut quand même transmettre ses habitudes d'alimentation ? Est-ce qu'il peut aussi élever ses enfants ? Ah oui, donc l'éducation marche quand même. L'éducation marche aussi. Ok, ça sert à quelque chose d'éduquer ses enfants. Tout n'est pas conditionné directement non, dans le monde. Non. Ah bon, très bien. Vous me rassurez. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements encore une fois. Merci beaucoup et félicitations. Le chrono a été tenu. Je vous rappelle que tous les doctorants qui sont ici ce soir sont en ce moment même en thèse. Je vais appeler maintenant la seconde candidate, Alison Caillé. En général, quand les gens nous demandent « Tu fais quoi dans la vie ?» et qu'on répond fièrement « Je suis chercheur. » Ils s'interrogent « Ah oui, et tu cherches quoi ?» Je vous laisse imaginer la réaction de mes proches quand je leur ai annoncé que j'allais faire une thèse en psychologie. Et si seulement c'était que ça ?
Non, parce que moi, je me suis lancée dans un doctorat en psychologie au sein d'une industrie aéronautique. Alors là, grand moment de solitude. Ah, ça a l'air intéressant. Alors qu'en réalité, dans leur tête, c'est plutôt « Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir chercher en psychologie dans une usine qui fabrique des avions ?» Bon, que je vous explique un peu la situation. Depuis quelques décennies, le monde du travail a connu de profondes mutations. Les entreprises doivent être toujours plus compétitives et créatives. Et de leur côté, les salariés, vous, recherchez davantage de sens et d'épanouissement au travail. Certaines entreprises expérimentent alors des modes de management innovants. Et c'est le cas de l'industrie aéronautique pour laquelle je travaille. Leur démarche, c'est la responsabilisation des salariés, aussi appelée empowerment. Il s'agit du partage du pouvoir et des responsabilités entre un manager et les membres de son équipe. Confiance et autonomie en sont les maîtres mots. Et comme c'est celui qui sait qui fait, on va par exemple confier la gestion du budget aux opérateurs eux-mêmes. Alors vous allez me dire, ça a l'air pas mal ce mode de fonctionnement. Mais comment on le met en place? C'est plutôt novateur. Et il y a aujourd'hui très peu de travaux scientifiques qui démontrent l'influence de ces, qui étudient les mécanismes d'influence de ces comportements responsabilisants sur le bien-être des salariés et sur la performance des entreprises. C'est donc là que moi, doctorante en psychologie sociale et du travail, j'enfile ma casquette et mes chaussures de sécurité pour aller mener des enquêtes de terrain dans les ateliers de production à l'aide de questionnaires et d'entretiens auprès de plus de 3000 salariés pour mesurer, quantifier, analyser et tenter de comprendre les perceptions et ressentis des travailleurs. Quelle image avez-vous du manager idéal? Et pourquoi un manager qui vous fait confiance, c'est primordial? Cela fait maintenant 2 ans que j'ai commencé ma thèse et les premiers résultats montrent que lorsqu'un manager fait confiance et donne du sens au travail, cela améliore le bien-être et par conséquent la performance. En revanche, donner plus d'autonomie et de responsabilité n'est pas systématiquement perçu comme quelque chose de positif par tous les collaborateurs. Il me reste alors 1 an pour identifier et modéliser les comportements managériaux qui favorisent le bien-être au travail et proposer ainsi des pistes d'amélioration pour faire décoller la performance des entreprises. Alors finalement, n'y aurait-il pas un facteur commun entre la psychologie et l'industrie? Eh bien si. L'être humain. Merci beaucoup, félicitations encore, vous avez tenu magnifiquement le chrono. Oui, peut-être une petite question, est-ce que l'innovation scientifique et le progrès scientifique ne peut pas se trouver aussi du côté des sciences sociales et pas que du côté des sciences dures? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le cadre de ma thèse et j'espère vous en avoir convaincu. En tout cas, l'innovation peut aussi passer en mettant l'humain au cœur de la performance. Parfait, merci beaucoup. Bon, bonne chance pour la fin de votre thèse. On attribue beaucoup de citations à Einstein, mais paraît qu'il aurait dit que le progrès technique sans progrès de la société est comme donner une hache dans la main d'un psychopathe. Espérons que les chercheurs de ce soir nous aident à ne pas donner de hache aux psychopathes. Je vais appeler la 3e candidate de ma thèse en 180 secondes, Anna Lesne. E407, E428, E444, E1404, E007? Non, nous ne sommes pas dans un nouveau James Bond, mais dans le monde des produits laitiers et des agents de texture. Ces agents ont pour mission très spéciale de maintenir la bonne tenue et la consistance de vos produits transformés, comme les yaourts. Grâce à eux, des catastrophes telles que la formation d'une flaque de liquide trouble à la surface de votre yaourt préféré sont évitées tous les jours. Mais ne pourrait-on pas obtenir des résultats similaires en utilisant des agents moins mystérieux et polémiques, des agents nouvelle génération, plus naturels et moins transformés? Parmi les candidats à cette fonction, les protéines du lait sont particulièrement prometteuses. Elles possèdent en effet un atout de taille.
Lorsqu'on les place à des températures supérieures à 60 degrés, elles changent complètement de forme et deviennent capables de s'associer pour former des agrégats de protéines. Et qui dit nouvelle structure dit nouvelle propriété. Nous tenons peut-être nos assemblages nouvelle génération. Pour l'instant, leurs capacités ont uniquement été testées dans des milieux modèles, comme des solutions ou des gels, très peu appétissants et complètement différents des produits de vos supermarchés. L'objectif de ma thèse est d'incorporer ces agrégats de protéines innovants dans des produits réels, comme les yaourts, et d'évaluer leur impact sur la texture et sur les arômes. Pour suivre et mener à bien la mission de nos agrégats agents de texture, une partie de mon travail consiste à évaluer et caractériser la texture des yaourts, par la microscopie par exemple. La connaissance du terrain est essentielle dans un milieu aussi dangereux que le yaourt. Dans le yaourt, les protéines du lait s'associent les unes aux autres comme des pièces de Lego. Elles forment un réseau dense de protéines qui donne sa consistance au yaourt. La mission de nos agrégats est de s'y infiltrer, de s'y fixer pour le renforcer. C'est ensuite, une fois en bouche, lorsque le yaourt est aplati entre votre langue et votre palais, que l'impact des agrégats sur la texture et sur les arômes pourra être évalué. Pour cela, nous avons spécialement formé des volontaires pour qu'ils deviennent experts en dégustation de yaourt. Ils sont capables d'évaluer de manière très précise et très reproductible l'onctuosité, la fermeté ou l'acidité des yaourts. Il me reste maintenant une année de thèse pour mettre en relation, grâce à des données statistiques, les données instrumentales et les données sensorielles. C'est ainsi que nous pourrons savoir si nos agrégats de protéines seront un jour capables de rentrer au service de Sa Majesté et sauver le monde des produits laitiers. Merci. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Ça y est, c'est passé. Alors, comment fait-on pour rejoindre votre labo pour tester ces produits laitiers nouvelle génération ? On a la recherche souvent de volontaires et les produits sont bons, donc c'est pas trop difficile. Oui, ça, vous avez des collègues qui travaillent sur le chocolat ou... Chocolat, mais les yaourts, c'est meilleur. Ouais, les yaourts, c'est meilleur. Ouais, j'aimerais beaucoup assister, en tout cas, à voir tous les adjectifs de description de comment la texture du yaourt éclate contre le palais. Ça doit être passionnant à entendre. Oui, c'est surprenant. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre votre place et nous allons poursuivre de ce pas. Avec une petite question à notre jury. C'est possible qu'à la fin de ce concours, vous vous disiez « Mais comment le jury a-t-il pu choisir ce candidat ? » Moi, je savais. C'est un autre candidat qui aurait dû gagner. Alors, je voudrais poser une petite question peut-être à Mme Agathe Petit, qui est juste ici avec nous. Je ne sais pas si elle a un micro. Donc, qui est rédactrice en chef du Labo des Savoirs, oui. Qui est une super émission de radio nantaise. On peut le dire en toute modestie, Maxime. Oui. Voilà, qui accueille des chercheurs chaque et semaine. Des chercheuses. Alors. Et des chercheuses, évidemment, écriture inclusive même à l'oral. Ouais. Non, mais c'est important parce que j'ai entendu candidat, doctorant depuis tout à l'heure. On a 8 filles là, qui passent devant nous ce soir. Ouais. Alors, candidate, s'il vous plaît. Évidemment, évidemment. Et je suis très fier de vous interroger sur cette question. Vous formez régulièrement du coup, des bénévoles du Labo des Savoirs à interviewer des chercheurs, à faire des chroniques, à pouvoir raconter la science. Ouais. Quels conseils vous pourriez leur donner comme tips pour réussir à bien expliquer un sujet de recherche compliqué ? La première chose que je leur explique en général, avant qu'ils se lancent dans une thématique qui d'ailleurs qu'ils ne maîtrisent pas, ils ou elles ne maîtrisent pas forcément, c'est d'oublier qu'ils savent des choses. En fait, il faut vraiment se mettre à la place des gens à qui on va expliquer quelque chose de compliqué, de technique. Donc, oublier qu'on sait quoi que ce soit. Et ça, c'est à la limite, je dirais, une déformation de ma formation de journaliste, où effectivement, on nous apprend à expliquer des choses que même nous, nous ne savons pas à la base. Alors, c'était la deuxième question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est mieux d'être expert d'un sujet pour l'expliquer ou est-ce que finalement, c'est un piège ? Ben, si je réponds oui, je me trahis, puisque c'est sur mon inexpérience au niveau scientifique que j'ai basé ma candidature au poste de rédactrice en chef au Labo des Savoirs. Alors non, non, non. Et je dirais même que ça peut même être un atout, puisque si nous, on arrive à comprendre, alors tout le monde peut ensuite comprendre. Et on n'est pas parasité. C'est ce qui arrive souvent quand on a beaucoup de connaissances dans un domaine, par un jargon spécifique et très peu accessible. On le sent ce soir, le travail d'écriture est particulièrement
important. C'est intéressant pour, comme sujet à écrire, de raconter la science. Oui. Je suis hyper impressionnée d'ailleurs par le niveau des trois premières candidates qui sont passées. Bon, clairement, je suis venue pour faire mon repérage. Hein, j'espère en revoir éventuellement dans notre studio. Mais c'est le travail d'écriture est assez extraordinaire dans ce domaine-là. Bon, parfait, on va pouvoir continuer avec notre prochain candidat que je vais appeler de ce pas, un représentant de la gente masculine quand même ce soir, Dimitri Meinsterman. Je vais vous parler du moment le plus prodigieux de notre vie d'humain. Ce moment, c'est celui où l'on passe d'une cellule à 100 000 milliards répartis entre plusieurs centaines de types cellulaires, comme des neurones ou des globules blancs. Je vous parle du développement humain. Autant vous dire que pour moi qui étudie la biologie du développement, la réussite d'une grossesse est un véritable miracle que je pense qui est hautement improbable. Alors, à mon avis, c'est un miracle si bébé n'est pas trop moche. Alors, comment est-ce possible? Un premier indice, c'est qu'on ne passe pas d'une cellule à un nouvel individu en une étape, mais plutôt qu'il existe un arbre généalogique des types cellulaires. Lorsque l'on remonte cet arbre jusqu'à sa racine, on tombe sur un petit tas de cellules qui ressemble à une mûre, qu'on appelle d'ailleurs la morula. C'est là que j'interviens, car dans la morula, il n'y a qu'un seul type de cellules, mais très vite, elles vont devoir choisir leur camp, car au stade suivant, le stade blastocyste, les cellules externes seront différentes des cellules internes. Les cellules externes donneront le placenta, tandis que les cellules externes vont donner un mini-moi, c'est-à-dire le fœtus. Durant ma thèse, j'ai contribué à découvrir le fait que, chez l'homme, ce premier choix se faisait précisément au début du stade blastocyste, et pas pendant le stade morula, comme on le pensait en se basant sur l'embryon de souris. Alors comment j'ai fait ? J'ai étudié l'expression des gènes. Pour savoir ce dont je parle, on peut voir notre ADN comme un piano de 60 000 touches. Chacune de ces touches est un gène, et à chaque note qui est jouée, un gène est exprimé. Deux types cellulaires distincts n'expriment pas les mêmes gènes, mais possèdent le même ADN. Autrement dit, il y a le même piano dans un globule blanc et dans un neurone, mais l'accord de notes qui est joué est différent. Avant, on ne pouvait étudier l'expression que d'une poignée de gènes à la fois. Jamais nous n'entendions l'intégralité de la mélodie de l'expression. Nous avons donc dû attendre une technique sobrement intitulée « séquençage d'ARN haut débit en cellule unique » pour avoir une vue d'ensemble des changements d'expression entre la morula et le blastocyste. C'est dans le blastocyste que nous avons dû... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une quantité énorme de données. Et je ne suis pas un biologiste comme vous l'entendez. Quand j'arrive le matin, je ne prends pas ma pipette ou ma blouse. Non, quand j'arrive, j'allume mon PC. Je suis un bioinformaticien et mon domaine de compétence est quelque chose entre les statistiques, la biologique et l'informatique. Avec cette triple semi-compétence, j'ai pu reconstituer la partition du développement du humain et je l'ai rendue accessible sur le net. Si bien que n'importe quel biologiste peut nous aider à découvrir les gènes qui sont les chefs d'orchestre du début du développement humain. Ainsi, j'ai pu mettre en œuvre le moteur le plus puissant de la science moderne, la collaboration. On the clock. Merci beaucoup, félicitations, c'était vraiment à la dernière seconde là, du grand spectacle, comme on l'aime. Vous avez pris comme métaphore la musique pour expliquer votre travail de recherche. L'art de la métaphore est un peu le cœur du travail de la vulgarisation scientifique. Vous êtes musicien vous-même ? Oui, à mes heures perdues, quand j'ai un peu de temps dehors de ma thèse, ça m'arrive. Ouais. Sur des pianos ? Pas sur un piano, sur un trombone, donc c'est un peu plus velu, mais... Mais voilà, l'idée est là. Ouais, il n'y a pas 60 000 touches sur un trombone, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci pour votre prestation. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Donc oui, encore une fois, tous les concurrents ce soir sont en thèse. Ils sont donc en gestation d'un petit bébé qui va leur prendre 3 ans à accoucher, ce qui fait long quand même pour une gestation.
Je me suis documenté, c'est quand même assez rare dans le monde biologique, il n'y a que les requins lézards qui mettent 3 ans et demi à avoir un bébé. Voilà, eux aussi ne voient pas beaucoup la lumière. Vous pouvez regarder leur tête d'ailleurs, ce qui est à peu près une tête d'un doctorant en fin de... Enfin, je vous laisserai la regarder. Je vais appeler sans plus tarder la 5e concurrente, Lauren Straven. Madame, connaissez-vous le ou la maire de votre commune ? Je vous invite tous à imaginer le ou la maire de votre commune à l'Élysée, disant au président de la République. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président, l'époque de l'aide au développement inefficace et inadaptée s'est terminée. Les autorités locales reprennent la main. De la fiction, vous me diriez ? Eh bien, en 2015, un chercheur américain publiait un livre intitulé « Et si les maires gouvernaient le monde ?» Justement, ma thèse porte sur les luttes d'influence qui peuvent exister dès lors que des communes, des départements ou des régions se lancent dans l'aide au développement, alors que normalement c'est l'État qui monopolise ce domaine de manière classique. Je m'intéresse tout particulièrement aux autorités locales de l'Ouest français, donc à la maison, parce qu'elles sont très actives en la matière. J'ai la tâche de déterminer si l'internationalisation de ces acteurs locaux aurait quelque peu perturbé le monopole de l'État dans le domaine de l'aide au développement. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça change que ce soit l'État ou les autorités locales qui agissent. Eh bien, permettez-moi une petite analogie. C'est un peu comme le pâté et le foie gras. Je vous explique. Il faut imaginer la scène internationale comme un bloc de foie gras. Et selon les théories majoritaires des relations internationales, il y aurait un seul ingrédient, unique et raffiné, l'État. Ne serait-ce qu'insinuer qu'une autorité locale serait compétente pour remettre en question une politique internationale de l'État, ce serait l'équivalent du mauvais goût, comme confondre le pâté et le foie gras. Pourtant, depuis 1980, les autorités locales mènent des actions d'aide au développement. Et grâce à leurs expériences, elles se sont illustrées comme des experts de ce domaine au développement. Et même en 2005, les Nations Unies reconnaissaient leur rôle comme crucial pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Alors ma thèse s'inscrit dans un questionnement plus large de ce que nous tous imaginons de la gouvernance mondiale, mais aussi la gouvernance de nos pays. Petit clin d'œil à l'actualité. Alors, serions-nous passés dans l'hypothèse du pâté, où on aurait une composition plus diversifiée, dans plusieurs acteurs, sans pour autant nécessairement perdre en qualité et en goût? Alors, pour savoir si l'État reste le maître incontesté du monde, ou s'il serait désormais un acteur parmi d'autres autour de la table internationale, rendez-vous dans un an pour la soutenance de ma thèse. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander si vous allez envoyer des invitations pour votre thèse et si vous allez vous pensez à des gens qui peut-être seraient particulièrement pertinents à venir écouter votre thèse. J'ai comme l'impression que vous faites référence au président de la République. Peut-être que ça lui ferait du bien. Alors, dans ce cas-là, il faudrait une grande salle parce que je ne saurais l'inviter sans inviter l'autre partie. Et là, il y aura du monde. Inviter tous les maires de France. Aussi, oui. Ouais. C'est pas à eux que je pensais tout de suite, mais oui. Parfait. Ouais, moi, je serais ravi de venir écouter. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais me retourner maintenant vers les membres du jury qui sont en train de prendre plein de notes et qui sont bien embêtés en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour choisir entre ces différents concurrents ?» Alors, je me retourne vers Valentin Bovino, qui a un micro, qui est donc représentant du monde des arts parmi nous, rien que ça. C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Alors, on est à Stéréolux ici, qui est un lieu qui est très inspiré par le développement des techniques et des sciences, notamment le monde du numérique, l'intelligence artificielle. Vous avez l'impression que les sciences est un domaine qui inspire l'art et qui, du coup, doit se diffuser un maximum comme source d'inspiration ? Oui, on le retrouve dans des tableaux, on le retrouve dans des créations artistiques, quelles qu'elles soient, beatbox, danse, la chanson, peu importe. Non, même dans la création d'instruments, tout simplement. Donc ce genre de présentation ce soir, c'est précieux pour le monde artistique ? Très. Je pense. Si j'étais créateur, je travaillerais beaucoup, je pense, avec des scientifiques. Il m'avait prévenu qu'il ferait des réponses très courtes à mes questions. C'est vrai. Est-ce que pour vous, c'est une question importante de réussir aussi à décrire en peu de mots un projet artistique pour qu'il puisse se faire. Les enjeux sont assez importants pour réussir à construire un projet. C'est à nous de le raconter pour le faire exister, peut-être moins dans la recherche, parce que les recherches existent déjà avant, mais un projet artistique, il faut réussir à le pitcher un petit peu comme ça. Il faut, la discussion de tout à l'heure, c'était plus la question était longue, plus la réponse était courte. Du coup, normalement, je répondrais oui. Mais... Non, ma vraie réponse, c'est que à la fois, bon, nous on accompagne, je dis nous parce que je travaille avec plusieurs personnes, mais on accompagne des artistes dans leur stratégie de communication et leur performance aussi. Donc il y a aussi un lien là-dedans. Et donc oui, c'est hyper important de savoir présenter son projet artistique très rapidement pour aller proposer à un programmateur, une salle, une collectivité, peu importe. Mais ça reste presque essentiel de résumer son travail. Et là aussi, les termes de gestation peuvent être très longs pour les projets artistiques. Alors, je vous laisse prendre des notes pour vous aider à décider. Je vais appeler directement le prochain candidat. Sixième candidat, Marwa Nejari. Paris-Plage. Vous y êtes peut-être déjà allé, ou du moins vous en connaissez le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. On installe du sable, des palmiers, des transats, en pleine ville, et hop, tout le monde se déshabille pour se dorer la pilule, comme à la plage. Eh bien, mon sujet de thèse à moi pointe du doigt un phénomène encore plus surprenant qui prend place dans nos villes. Dans certains espaces publics, souvent au bord de l'eau, les citadins ont tendance à se comporter comme à la plage, alors que le lieu n'est a priori pas aménagé pour. Ce sont ces espaces-là que nous avons appelés les plages urbaines spontanées. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre ce qui, dans la spatialité de ces lieux, influence leur appropriation par les citadins et les pousse à agir de la sorte. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un comportement de plage, me direz-vous ? Eh bien, dans un contexte où la ville est de plus en plus stressante et où certaines personnes n'ont pas l'occasion d'aller en vacances, certains lieux suscitent une forme de liberté et permettent aux citadins de cohabiter, de relâcher leur corps et leurs esprits face à l'eau, au soleil, au sol et au vent, et parfois même de dégainer les serviettes et les maillots de bain, tout comme à la plage. Ces attitudes, antagonistes aux attitudes urbaines habituelles plutôt caractérisées par la rigidité, le contrôle et la retenue, prennent place à Nantes dans plusieurs plages urbaines spontanées, au bord de l'Erdre et de la Loire. Ces plages improvisées traduisent d'une part un rapport différent à l'espace public, où le citadin devient acteur et non uniquement spectateur des usages de sa ville, mais aussi et surtout un rapport inédit au corps, dont une sorte de consensus implicite semble légitimer le dévoilement. Vous avez certainement déjà adopté une partie de ces comportements. Certains de vous sont peut-être allés à l'extrême et se sont installés au bord de l'Erdre avec serviettes, maillots de bain et crème solaire. Et certains en mouraient peut-être d'envie sans oser aller jusqu'au bout. Eh bien, laissez-moi vous dire que ces attitudes ne viennent pas uniquement de vous. Et non, vous n'êtes pas totalement libre. L'espace fait parfois de vous ce qu'il veut. En vous observant, vous m'avez appris, chers citadins, plusieurs choses sur ces endroits pendant mon enquête. Vous m'avez appris, par exemple, que la présence d'une pente ou de végétation ou la différence de niveau vous aidait à vous relâcher en ville. J'ai compris que l'eau vous donnait une sensation d'éloignement par rapport à l'espace urbain qui vous permettait de vous libérer. Mais j'ai aussi été frappée par les efforts fournis par certains d'entre vous pour préparer leur corps d'été en bronzant avant d'aller à la vraie plage. En tout cas, mesdames et messieurs, quand vous êtes sur ces espaces-là, sachez que je vous observe. Mon laboratoire à moi, eh bien, c'est vous. Je scrute le moindre de vos mouvements. Je vous guette. Et parfois,
Je viens discuter avec vous pour comprendre ce qui vous fait sentir, ici plus qu'ailleurs, libre de vous relâcher et de passer en quelques minutes ou quelques arrêts de tram de vos costumes de travail à vos maillots de bain. Merci à tous. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. On se rend compte au fur et à mesure de la difficulté d'expliquer des sujets si vastes en si peu de mots. Peut-être juste une question. Est-ce qu'ils sont surpris un peu, les personnes qui sont en train de bronzer en maillot de bain, quand ils vous voient arriver, sociologues, avec vos carnets de notes? Ben, j'essaye, quand je les observe en tout cas, de me faire le plus discrète possible pour qu'ils ne me voient pas. C'est encore plus bizarre, Non, mais généralement, j'arrive à me faire discrète, visiblement. Mais quand je vais discuter avec eux, oui, ça les interpelle en tout cas, ce rapport qu'il y a entre l'espace et les comportements qu'ils peuvent générer chez nous. Cette influence qu'il y a, elle est beaucoup plus importante qu'on le croit, donc ça les intrigue, oui. On ne se sent plus vraiment libre. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir partagé en tout cas ces petits billets avec nous. Je vous laisse regagner votre place et j'appelle directement le 8e candidat qui saute directement sur scène de ma thèse en 180 secondes à Nantes, Joséphine Briand. Non, reste là, mais je vais refaire. J'appelle Marion Letellier. Voilà, merci, pardon. C'est l'histoire d'un petit sorcier qui va à l'école de magie de Port-Véru. Là, le chapeau de trieur peut l'envoyer à Ondulant, Souffle-Bouffé, Corbeau-Cerf ou Griffon d'Or. Traduit par Google Traduction, on peut se demander si Harry Potter aurait eu le même succès. Heureusement que le traducteur a été un poil plus créatif. C'est justement cette créativité qui m'intéresse, et plus largement, les bénéfices qui se cachent dans la pratique de la traduction. Je travaille au service de traductologie. C'est une maladie formidable, vous allez voir, qui j'espère va vous toucher. La traductologie, c'est l'étude des processus de traduction. En traduction, on passe d'une langue à une autre. En traductologie, on étudie les processus qui ont pu influencer les choix du traducteur sorcier. Il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler sur un recueil de nouvelles, Le Monde et ses ailleurs, publié en 1998 par Janet Winterson, une auteure anglaise toujours vivante. Sauf, donc, initialement, mon travail était d'analyser et de traduire ce recueil. Sauf qu'au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je communiquais différemment avec les gens autour de moi. Je faisais plus attention au choix des mots, par exemple. Sauf que ce qui est passionnant, c'est que quand on raconte des histoires, on traduit sa pensée, ses émotions, avec des mots. On se traduit soi-même. Je me suis donc demandé si cette évolution avait un lien avec mon travail de traduction. Et la réponse était oui. Je suis donc retournée voir dans mes textes et j'ai découvert que certains éléments avaient demandé de l'empathie. Il faut vraiment se mettre à la place de l'auteur quand on traduit un texte. Or, ici, ce sont des textes dans lesquels les émotions sont centrales. Et pour comprendre et traduire des émotions, il faut s'engager émotionnellement. Donc, selon ce que l'on traduit, on s'engage plus ou moins. Et c'est quand on s'implique vraiment qu'il y a des chances pour que le texte vous modifie en retour. On s'engage peut-être moins si on traduit un mode d'emploi de micro-ondes, par exemple. Mon travail est donc d'articuler la pratique de la traduction avec des domaines comme la psychologie et les sciences cognitives pour en révéler un nouveau potentiel. Mais vous allez me dire, comment engage-t-on les gens en traduction? En choisissant bien ses mots. Par exemple, j'organise un atelier d'écriture et de traduction dans un lycée et je choisis des textes qui font appel à la créativité. C'est un jeu, la traduction. On passe son temps à résoudre des problèmes. Enfin, on essaye. Les problèmes deviennent des opportunités d'être créatif. C'est ça qui est magique. On passe d'une activité scolaire à une pratique ludique qui peut sensibiliser au langage, développer des réflexes de communication, voire même être introduite en art-thérapie. Finalement, c'est une nouvelle traduction de la traduction. Merci.
Encore une fois, sur le fil. Plus que sur le fil. Pour garder le suspense jusqu'au bout, merci. Absolument. Finalement, la vulgarisation scientifique, c'est un peu un travail de traduction, de sortir du langage technique. La créativité est donc beaucoup impliquée, c'est ce que vous nous expliquez. Ça vous a demandé un travail, vous, de sortir du langage technique pour imaginer une nouvelle manière de raconter ce soir à tout ce monde votre recherche ? Oui, tout à fait. Et ça confirme aussi l'hypothèse que c'est quand on a une contrainte. Et ici, bien sûr, que l'exercice comporte plusieurs contraintes. Mais c'est grâce à ces contraintes que l'on crée des choses intéressantes. Donc, finalement, faire ceci m'a confirmé mon hypothèse. Parfait. Lancez-vous des défis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense qu'on peut lui redonner un tonnerre d'applaudissements. Je vais appeler maintenant la huitième candidate, sans me tromper, donc Joséphine Briand. Ils sont invisibles, mais ils sont partout. Dans votre café du matin, dans votre baguette quotidienne, dans l'air que vous respirez. Une contamination à grande échelle, donc. Mais qui sont les principaux responsables ? Les pesticides. Cancer, puberté précoce, et j'en passe. Ce soir, je vous révèle pourquoi ces pesticides peuvent être nocifs pour votre santé. Bienvenue dans Cache Investigation. Eh oui, parfois je me prends pour une journaliste d'investigation quand je suis dans mon labo. C'est sûrement parce que j'étudie la capacité du diuron à induire des tumeurs du cerveau chez l'homme. Le diuron est un herbicide interdit depuis 2003 en France, mais il est toujours présent dans les cours d'eau de par sa présence dans la peinture des coques de bateaux. Ce pesticide, j'ai démontré qu'il était capable d'induire des tumeurs du cerveau chez des souris. Alors certes, ces souris ne sont pas tout à fait normales, puisqu'elles ont dans le cerveau une petite modification qui n'est pas vraiment rare chez l'homme. Le problème, c'est que cette modification, indétectable car elle n'induit pas de symptômes, associée à l'exposition à un pesticide, le diuron, peut induire des tumeurs du cerveau chez l'homme. Ce qui, vous en conviendrez, est assez fâcheux pour ne pas dire autre chose. La deuxième partie de mon travail, c'est de comprendre comment le diuron peut induire la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale. Imaginons que notre corps est une ville où les organes sont des restaurants. Chaque restaurant a sa spécialité. Italien avec des pizzas, mexicain avec des tacos ou encore français avec une bonne entrecôte frite. Maintenant que vous avez bien l'eau à la bouche, pensez au livre de recettes de votre grand-mère. C'est l'ADN. Sauf qu'ici, ce livre de recettes est le même pour tous les restaurants de la ville. Il contient donc les milliers de recettes d'une ville entière. Pour que les restaurants s'y retrouvent plus facilement, chacun a mis ses propres marque-pages. C'est là que le diuron intervient. Il est capable de déplacer ses marque-pages, mais aussi d'en ajouter et d'en enlever n'importe où. Je vous laisse imaginer le bazar qu'il met. D'un coup, un restaurant se met à faire plein de plats qui ne sont pas à sa carte, et comme il fait un tabac, le restaurant se développe, inhibant toute concurrence. Le cancer se déclare. Mon rôle, c'est de comprendre comment le diuron est capable de déplacer ses marque-pages, mais surtout comment les remettre à la bonne place, ce qui pourrait être le point de départ pour le développement d'une nouvelle catégorie de thérapie. J'étudie ce phénomène dans le glioblastome, un type de cancer du cerveau, mais on peut supposer que le diuron a des effets similaires dans d'autres organes. Une fois que ces mécanismes seront clairement compris, ils pourront être adaptés dans d'autres types de cancers. En attendant, depuis le début de mon intervention, l'industrie des pesticides a réalisé plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires dans le monde. Au grand jeu toxique, les gagnants et les perdants sont toujours les mêmes. Merci d'avoir suivi Cache Investigation. Merci beaucoup pour cette recherche qui fait un peu peur. Quand même. On voit la diversité des sujets de recherche ce soir. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos amis et votre famille, quand vous leur racontez votre sujet de recherche ? Ils ont un peu peur. Ils ont un petit peu peur. Ouais. Ça change des choses un peu dans leur comportement ? Bah, j'espère qu'ils mangent bio. Ouais. Moi, oui, en tout cas. Après, ce n'est pas que dans la nourriture, c'est aussi dans l'eau. Non, et là, c'est plus compliqué de les éviter, donc il faut déjà limiter au maximum. Et comme on voit, les pesticides ne suffisent pas toujours à... Souvent, il y a plusieurs facteurs, en fait. Mais si on en évite un, déjà, c'est toujours ça de pris. Ouais, c'est toujours ça de pris. Ça marche. Bon, on va essayer de les éviter. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation succincte et claire.
Je vais me tourner de nouveau vers le jury. Si Sandrine Bender peut avoir un micro, vous êtes la représentante des entreprises ce soir. C'est un exercice, le pitch en entreprise, qui est maintenant très courant. Vous l'avez fait, vous ? Des dizaines et des dizaines de fois, mais je pense que je vais devoir reprendre des cours parce que je suis assez impressionnée du niveau ce soir. Et je pense qu'ils ont beaucoup de conseils, de bons conseils à m'apporter. Ouais, peut-être c'est une future carrière, faire du conseil en communication des sciences. Vous, le projet de votre entreprise avait une dimension scientifique aussi à vulgariser ? Il y en a une, effectivement. Donc, on développe un objet connecté pour la santé des enfants. Et donc, ça demande beaucoup de R&D, une recherche, enfin, des recherches assez poussées et longues, des travaux qui doivent être rigoureux. Plusieurs corps de métier, plusieurs domaines de recherche qui se croisent. Et moi, dans tout cet univers-là, qui n'a pas du tout un background scientifique, donc heureusement, mes associés et mon équipe font beaucoup de médiation et je leur remercie. Et justement, il y a un vrai enjeu sur cette médiation et sur la vulgarisation pour arriver à collaborer et finalement aller encore plus loin que juste un papier, une recherche, mais le rendre vraiment concret ensuite dans la réalité. Est-ce que vous le sentez aussi que les sujets scientifiques sont une contrainte qui vous pousse à la créativité au moment d'imaginer le pitch et que ces points-là, finalement, qui peuvent être des points de résistance, deviennent des points de force à la fin ? Ça devient des points de force. C'est surtout... finalement, on a tendance souvent à cloisonner les domaines, à cloisonner les interventions et la recherche. Et finalement, ça nous montre encore ce soir que ça nous touche tous et que... Ça a déjà un impact, mais ça va avoir un impact énorme sur le quotidien des gens et sur la compréhension de l'homme. Et donc, en fait, la science est un très gros levier de créativité. Et en tout cas, nous, sans des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de papiers et adossés à nos propres expérimentations, on serait incapable d'être innovant, d'être pertinent et de répondre à des nouvelles problématiques qui se posent actuellement. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, peut-être à ceux qui vont se prêter au jeu maintenant, et puis peut-être ceux qui auront à la finale régionale, nationale, internationale, intergalactique ? Méfiez-vous des Martiens. Alors, vu le niveau, je ne sais pas s'il y a des gros conseils à donner, parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, très bons. Et tout le monde a pu voir qu'on comprend vraiment tous les sujets, tous les enjeux des sujets et vraiment toutes leurs dimensions. Un conseil, par contre, peut-être pour pallier au trac qu'on peut avoir en démarrage de présentation, c'est qu'en général, je pense que vous êtes arrivé avec des copains ou de la famille dans la salle. Essayez de les fixer, ils vont avoir un très grand sourire, ça va vous booster pendant tout le long et ça va vous servir à prendre de la confiance. Mais bon... Vu ce qu'on a vu jusque maintenant, je pense qu'ils sont très talentueux. Ils n'ont pas trop besoin de conseils, je crois. Il faut mettre un complice dans la salle. Vous pouvez peut-être passer votre micro directement à Cyril Monroe, juste à côté. Donc vous êtes parrain de la cérémonie, vous êtes chercheur. Aujourd'hui, vous avez déjà avancé dans votre carrière. Est-ce qu'au moment de votre thèse, vous serez senti partant pour faire cet exercice ? Ouh là là, certainement non. Et surtout pas à ce stade de ma thèse, puisque j'ai cru comprendre qu'ils étaient en deuxième année ou... Et c'est vrai que ça demande un recul très important vis-à-vis de son propre sujet de recherche. Et pour ma part, c'est un recul que je n'ai pas eu avant de le mettre en forme, au cours de ma rédaction. Et même après ma rédaction, je ne suis pas sûr d'avoir atteint ce niveau de compréhension. Parce que pour expliquer sa thèse à d'autres personnes, il faut avoir sorti un peu le nez du guidon. Et je trouve qu'ils ont fait ça très bien. Ils sont vraiment complètement appropriés leur sujet de recherche avec un vocabulaire qui est accessible à tous. Et c'est très intéressant en tout cas de le suivre en tant que public. En tant que jury, c'est un enfer parce qu'on doit faire des choix qui sont... Le public va devoir faire un choix aussi parce qu'il va être jury également. Est-ce que vous, c'est un jeu auquel vous vous prêtez par moment de devoir expliquer votre recherche dans des temps courts ? Et est-ce que, suivant les disciplines, je rappelle que vous venez de la chimie et de la chimie organique, qui n'est pas forcément le domaine le plus facile, qui a déjà un jargon et une technique assez, assez grande, vous sentez que ça vous inspire vraiment de vous dire je vais essayer d'enlever ce langage ? Oui, je ne suis plus tout à fait dans la chimie organique, mais bon, je vois très bien le... est-ce que c'est un exercice que je pratique ? Évidemment, mais devant un public de spécialistes généralement, devant un public, je veux dire, vulgarisation, c'est quelque chose que... Je fais assez rarement, je le fais toutes les rentrées, parce que je suis directeur du département de chimie, et
Dans ce cadre, on accueille les différents étudiants qui rejoignent notre école et on leur fait une présentation de notre département. Et donc là, il faut adopter forcément un langage qui parle un petit peu à tous. Mais ce n'est pas tout à fait le même exercice quand même, parce que je n'ai pas, on va dire, cet enjeu de la rigueur scientifique qu'il faut absolument maintenir quand on est dans ce genre d'exercice, ma thèse en 80 secondes, où on a un jury qui connaît à peu près, enfin du moins qui a une idée des enjeux et qui ne laissera pas passer des petites imperfections. Moi, à la limite, si les imperfections sont là dans mon discours, au niveau de la rigueur scientifique, ce n'est pas un drame. Donc je dirais que c'est un exercice qui est autrement plus compliqué que celui auquel je me livre. Est-ce que pour vous, c'est un gros mot, vulgarisation dans le monde de la recherche, partage des connaissances? Non, c'est super. Non, et c'est quelque chose qui a... Je trouve que c'est une tendance actuelle auquel... alors, on critique souvent l'évolution du système d'éducation français, mais je trouve que nos jeunes, donc les jeunes gens qui sont bien mieux préparés, ou en tout cas ont un talent, alors je ne sais pas, une appétence bien plus forte pour la vulgarisation qu'on pouvait l'avoir à mon époque, et encore plus qu'à l'époque d'avant. Et je trouve que c'est super sain, et ça rejoint un petit peu, on discutait tout à l'heure de YouTube et des vulgarisateurs comme Dirty Biology ou encore Science Étonnante, donc David Loeb, qui est un ancien de l'ENS de Lyon. Je trouve que vraiment ça a apporté une envie des personnes de parler de la science avec des mots simples qui parlent à tout le monde et qui intéressent tout le monde aux enjeux scientifiques, y compris le contribuable qui participe, je veux dire, financièrement de manière... Il faut leur montrer les résultats, un petit peu les faire rêver également avec ces résultats, parce qu'il y a quand même de la beauté derrière. Et je trouve que c'est une super tendance. Peut-être je peux demander au public si vous, ça vous intéresse en général, la vulgarisation scientifique. Merci pour cet encouragement mitigé. Je regarde si le prochain candidat est là. Voilà, il s'est blessé, on reviendra sur cet accident. Il est vraiment blessé, hein. Ce n'est pas pour apitoyer le public qu'il va arriver en fauteuil roulant. Il arrive maintenant, je vous demande un meilleur tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Well. La pédagogie de la sobriété lumineuse. Entendez par ici l'étude d'une démarche collaborative avec les citoyens en vue d'une diminution de l'éclairage public et de ses impacts sur la nature. Et quand on a été comme moi, un petit garçon qui a eu très longtemps peur du noir et qui avait besoin d'une veilleuse pour s'endormir, réfléchir scientifiquement à l'extinction de l'éclairage public en ville, ça peut sembler un tout petit peu paradoxal. Et pourtant, les années ont passé, et avec elles, la veilleuse s'est éteinte, et avec son extinction est apparue une véritable attirance pour l'obscurité. L'obscurité, cette simple absence de lumière, je la découvre véritablement lors de la réalisation de spectacles nocturnes en extérieur, où, une fois le public parti et la musique arrêtée, il ne reste plus que les lumières à éteindre. Et ces lumières qui s'éteignent une par une laissent de plus en plus place à l'obscurité. Je resitue le contexte, nous sommes en plein milieu des alignements de menhirs de Carnac. Et lorsque vous êtes plongé dans l'obscurité au milieu de pierres âgées de plus de 6000 ans, le rapport à la nuit prend un autre tournant et il s'équilibre entre les craintes mues par nos croyances actuelles et un sentiment de plénitude et de découverte bien plus profond. Vous savez, c'est un peu comme vous quand vous avez l'occasion de pouvoir observer le ciel étoilé à l'œil nu et soudainement l'absence d'éclairage public ne vous pose absolument plus aucun problème. Bien, l'ensemble de ces éléments m'amène à une question spécifique. Comment, dans nos villes où l'éclairage est omniprésent, réussir à faire émerger la beauté de la nuit? Cette question, je la traite avec Nantes Métropole, où je contribue à la rédaction du SCAL, le schéma de cohérence d'aménagement lumière. Ces objectifs sont clairs, il faut contribuer à la réduction de la facture énergétique et aller vers un plus grand respect de la biodiversité nocturne, le tout au travers d'une démarche de pédagogie. Cette démarche de pédagogie, elle me permet de rencontrer des jeunes publics qui, avec une certaine liberté pour la langue française, ont un avis assez radical sur la gestion de l'éclairage. Est-ce que vous, comme eux, vous seriez capable de dire qu'il ne faut pas laisser la lumière allumée en ville? Alors, une partie de mon travail consiste à affiner cette question. Pour ça, je crée une grande carte collaborative sur laquelle chacun d'entre nous est invité à amener ses connaissances sur l'éclairage et sur les usages réels des territoires que l'on fréquente la nuit. De cette manière, on replace l'humain au centre des questions liées à la vie nocturne et on espère, avec cette pratique, sensibiliser les citoyens à
la question de la sobriété lumineuse. On espère aussi les sensibiliser à un équilibre entre l'éclairage et l'obscurité, car pour chaque personne interrogée à ce jour, la nuit semble représenter une véritable richesse à préserver. Peut-être faudrait-il alors simplement prendre le temps de l'observer pour mieux la comprendre, et ainsi nous pourrions faire écho à Marcel Proust qui disait que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Merci, félicitations pour cette présentation. Peut-être qu'on peut dire comment tu t'es cassé la malléole. On peut dire comment je me suis cassé la malléole. J'ai glissé en voulant être sûr que de l'éclairage allait bien atteindre le fond d'un bol dans un skatepark, et en voulant descendre au fond du bol du skatepark, j'ai rencontré la gravité à 3 mètres plus bas, et ma malléole n'a pas survécu et elle a rompu. Voilà, travail de recherche, même en sciences sociales, on ne part peut-être pas à l'autre bout du monde, à l'intérieur du bagel, pour aller observer des espèces sauvages au Brésil, mais le fond d'un bol de skatepark peut nous atteindre. Peut-être une question pour les araignées, c'est un peu une catastrophe naturelle, l'éclairage public pour les araignées, mais vous parlez de la biodiversité en ville. Alors il faudrait observer si les araignées sont des animaux nocturnes ou non. Et là, après, il faudrait regarder quelles sont les longueurs d'onde du spectre lumineux artificiel qui les atteignent et voir si ça peut les déranger dans leur pratique nocturne quotidienne. Oui, ce que vous disiez sur les yeux, c'est qu'il y en a peut-être l'éclairage public qui ne le voit pas parce que ce n'est pas leur longueur d'onde. On peut envisager des choses comme ça sur certains animaux. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour cette recherche passionnante. Merci de l'avoir partagée avec nous. On peut l'applaudir encore une fois. Ça n'a pas été facile de garder l'engagement pour ma thèse en 180 secondes. Et je prends quelques secondes pour appeler la toute dernière candidate qui doit trembler de peur. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Chloré Lard qui va clore cette soirée et qui va nous faire voyager très loin. Bonjour et bienvenue sur la planète Mars. Nous sommes le 6 mars 2119, le temps est dégagé et il fait actuellement 20 degrés. J'espère que votre voyage fut agréable. Je serai votre guide martienne pour les 3 prochaines minutes. Tout d'abord, quelques consignes de sécurité. Assurez-vous de bien positionner vos masques à oxygène et de prendre votre bouteille d'eau, car ici l'air est irrespirable et le sol complètement sec. Mais cela ne fut pas toujours le cas. Saviez-vous qu'il y a de cela des milliards d'années, des lacs étaient présents grâce à un effet de serre comme sur Terre ? Oh, attention, vous mettez les pieds, monsieur. Ici, le sol est recouvert de roches volcaniques qui pourraient bien vous faire tomber. Remarquez comme le paysage est parsemé de ces roches sombres. N'est-ce pas magnifique ? Il faut imaginer qu'il y a des milliards d'années, le sol était recouvert de lave et le volcanisme très intense de Mars contribuait à maintenir un effet de serre permettant d'avoir de l'eau liquide à la surface. La lave solidifiée a donc donné naissance aux roches volcaniques sur lesquelles vous marchez. Et ce sont à présent les seuls indices qui permettent de retracer l'histoire volcanique de la planète. Elles ont donc été le sujet principal de beaucoup de missions spatiales. Et si vous voulez bien me suivre, nous allons faire un tour dans le musée retraçant l'histoire des missions martiennes. Vous trouverez ainsi sur votre gauche les vestiges du rover Curiosity. Ce fut grâce à ce robot que la chimie des roches volcaniques a pu être déterminée. Et ces résultats ont intrigué beaucoup de chercheurs, notamment une doctorante dénommée Chloé Lard il y a de cela 100 ans. En utilisant les données du robot, elle s'intéressa alors au dégazage volcanique de Mars. Seulement, vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de mission humaine possible. S'il vous a fallu 4 heures pour faire le voyage, à l'époque, il fallait au minimum 6 mois, ce qui n'était pas concevable sur 3 ans de thèse. Alors, il fallait s'arranger avec les moyens du bord pour reproduire les roches martiennes en laboratoire. Et comment faire, me diriez-vous ? Eh bien, il s'avère que cela ressemblait un peu à de la cuisine. Elle connaissait les ingrédients, les quantités, il n'y avait plus qu'à mélanger le tout. À ce mélange s'ajoutaient des gaz pour simuler une éruption avec du dégazage. La mixture était ensuite enfournée à 1600 degrés et mise sous pression pour représenter un magma enfoui en profondeur. Une fois le temps de cuisson écoulé, le mélange était figé instantanément pour en obtenir de la lave vitrifiée. Et que faisait-elle de cela après ? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, Chloé travaillait pour le CNES, ou la NASA française. Et si vous regardez sur votre droite, vous trouverez un second robot arrivé quelques années plus tard sur Mars. Les travaux de cette doctorante étaient ainsi intimement liés à cette mission spatiale. Et ce robot possédait de nouveaux outils.
Alors, avec ces échantillons, Chloé effectuait des analyses en laboratoire sur un outil similaire pour en obtenir une sorte de code barre. Et ce code barre, ou signature spectrale, était unique pour chaque échantillon. Chaque signature était comme une photo de l'environnement dans lequel s'était formée la roche en profondeur. Ces codes barres ont servi par la suite de comparaison avec ceux obtenus sur Mars. Les travaux de cette jeune Nantaise nous ont donc permis de mieux comprendre aujourd'hui le système volcanique martien. Et nous pourrions nous étendre davantage sur la suite des travaux inestimables de Chloé, mais on me fait savoir que la navette à destination de Jupiter vous attend. Je vous souhaite un excellent voyage et à bientôt. Merci pour cette dernière intervention. Merci. Qui nous a fait voyager très loin. D'ailleurs, si vous pouviez aller sur Mars là, pour finir votre thèse, ça vous intéresserait? Ou franchement, il fait froid en ce moment et c'est pas... Mais j'ai vu quand même que les nuits sont un peu frisquettes. Il fait moins 160 et je suis pas sûre de... Ouais. Voilà. Pas de réchauffement climatique là-bas. Pas encore, faudrait peut-être envoyer Trump. On sait jamais. Ça tombe bien, j'ai l'impression qu'il voulait y aller. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup, merci mille fois à tous les concurrents. Je crois qu'on peut énormément les applaudir pour le travail et la qualité des interventions qu'ils nous ont données ce soir. C'est l'heure du vote, alors je vais très solennellement demander à notre jury de se lever et de quitter cette salle pour aller délibérer. Pour que vous n'entendiez pas les cris qui vont agiter les débats qu'ils vont avoir, je vous propose une petite pause d'une quinzaine, vingtaine de minutes. À la sortie, vous allez trouver des urnes comme celle-ci, avec les numéros de chacun des candidats. Vous retrouverez bien sûr un petit trombinoscope. Vous avez un petit jeton qui vous a été donné. Donc, il va y avoir forcément un petit peu de queue hein, pour pouvoir voter, mais ne lâchez pas l'affaire. Faites la queue. Vous avez vraiment 15-20 minutes avant qu'on reprenne. Donc, n'hésitez pas à discuter tous les sujets de recherche que vous avez entendus ce soir. Merci beaucoup et on se retrouve dans 15 minutes. Alors ça y est, j'ai l'enveloppe du prix du jury dans la main, mais comme c'est la tradition, je vais, au lieu de l'ouvrir, plutôt appeler le dernier intervenant, Olivier Villeray, si vous pouvez me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements, car c'est le formateur, l'un des deux formateurs qui a accompagné les Thésards dans cette démarche. Alors, comment avez-vous travaillé avec eux pour en arriver à ce résultat ce soir? D'abord, je les félicite. Bravo à tous. On les applaudit encore. Ils ont été super. Bravo, bravo. Ils ont été... On a travaillé pendant 2 jours ensemble. Hein, donc, il y a 14 heures de formation prévue, hein, 2 journées de 7 heures. Il faudrait maintenant que vous voyiez votre premier film. Le premier film en arrivant, puis le film de maintenant. Enfin, voilà. Non, moi je trouve que c'est un vrai plaisir. Alors évidemment, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on travaille dans la formation? D'abord, on travaille évidemment tout ce qui est vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'ils puissent expliquer en famille, quand ils ont un repas à Noël ou un truc, qu'est-ce que tu fais dans ta thèse? Voilà, donc maintenant ils savent l'expliquer. On a eu des trucs, des fois même des thésards qui réfléchissaient bien à leur thèse dans la thèse à 180 secondes et qui allaient renégocier des fois avec leur patron de thèse après leur sujet ou des trucs en disant finalement on a vu ça ferait, enfin il y a des tas de choses comme ça. On travaille la rhétorique, on travaille les métaphores, on travaille l'humour, on travaille plein de choses. Alors, est-ce que vous-même aussi, vous arrivez à présenter votre sujet de thèse en 180 secondes quand vous le présentez à votre famille ou à vos amis? Non, moi je n'ai jamais fait maths de thèse de ma vie. Non, je rigole parce que je fais partie de la promotion 2018 aussi. Il en a deux. Je me suis remis à faire une thèse il y a quelques... Donc j'ai été chercher ma petite médaille comme vous tout à l'heure, là, et voilà. Avec son petit... Voilà, c'était bien. On peut l'applaudir aussi, un jeune thésard de l'Université de Nantes. Un jeune thésard, oui. Enfin, voilà. Et comment dirais-je? Quand je compare ma première... Alors moi, j'ai fait une première thèse en physique il y a un petit bout de temps déjà. Et puis cette deuxième thèse que j'ai faite en sciences de l'éducation, là. Je veux dire, à l'époque, on n'avait pas tout ça.
À l'époque, il n'y avait aucune formation en école doctorale. Donc, super. C'était l'école. La question que j'allais vous poser, justement. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de formation pédagogique. Il n'y avait pas de formation thèse en 180. On nous disait, bah, tu vois, là, regarde, tu as eu ta thèse, c'est bien. Tu es maître de conf. Bah, écoute, tu vois, là, il y a un amphi. Bah, tu y vas, quoi. Et tu fais cours. Il y a la fête de la science. À l'époque, allez-y. C'était comme ça. Hein. Allez, vas-y, va faire cours. Et bah, voilà. Mais heureusement, ça a bien changé. Je trouve que maintenant, il y a quand même plein de choses pour les doctorants. Hein. Alors, on peut applaudir encore une dernière fois les thésards pour les encourager. Ouais. Parce que je vais leur demander de me rejoindre sur scène. Voilà, on va laisser peut-être les concurrents à roulette. Ah si, dire quand même qu'il y a on est deux formateurs. Sophie Bellec, qui bosse avec moi depuis 6 ans, puisque c'est la 6e promotion, en fait, n'a pas pu venir ce soir. Donc voilà, on est deux sur Nantes à les préparer. Donc voilà. Merci à Sophie aussi. Voilà. Merci Sophie. Alors je laisse la 6e promotion nous rejoindre. Je laisse le jury nous rejoindre. Allez-y, je vous laisse escalader les marches. Venez, alors on va essayer de prendre un peu la scène qui était à vous tout à l'heure. Voilà, alors un tonnerre d'applaudissements parce que ça a été vraiment beaucoup de travail pour eux. Je pense que ça a été un peu d'appréhension et ça a été incroyable ce qu'ils ont fait ce soir. Et je vais demander au jury aussi de nous rejoindre. Vous avez réussi à vous mettre d'accord. Alors, je remets le micro à... Ah, il nous manque. Oui, oui, tout à fait. Alors, il arrive tout juste. Alors, peut-être pour rentrer dans les coulisses de la délibération, Madame la présidente du jury, est-ce que les débats ont été, bien sûr, serrés ? Forcément, on a eu 10 candidats exceptionnels cette année. On tient vraiment tout le jury à vous féliciter. C'est ce qu'on nous étions en train de dire, le niveau augmente d'année en année. Vous êtes formidables, vraiment, tous. Que dire de plus ? Ça a été extrêmement compliqué de décider. Ah, voilà. Je tenais également à préciser que vous avez finalement présenté votre thèse en 180 secondes ce soir, presque dans les conditions d'une finale nationale, puisque vous étiez devant une salle de spectacle pleine. C'est extrêmement rare hein, pour une finale à l'échelle locale. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Et vraiment, toutes nos félicitations pour ce premier grand bain que vous avez réussi avec tous les lauriers. Vous voulez tu très bien dit les choses. Non, c'est bon. Je vous laisse remettre... non, tout d'abord, le prix du jury. Ah, le prix du jury. Donc, comme je vous le disais, hein, ça a été compliqué. Donc, on va faire comme dans les grandes cérémonies. Donc, nous avons l'extrême joie donc, de décerner le prix du jury donc, à Lorraine, qui nous a convaincus. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux dire un mot ou est-ce que je ne t'inflige pas ça tu veux dire un petit mot, peut-être ? Eh bien, juste merci et c'est tout. Je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais dire pendant 3 minutes, mais pas forcément à la fin. Donc, et on ne vous demandait pas plus. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et votre support, enfin, votre soutien. Et voilà. Bonne soirée. Et j'ai l'honneur de remettre le premier prix du public à Chloé Lard. Un discours de remerciement peut-être pour votre famille, votre... Bah merci d'être venu, d'avoir... voilà. On n'est pas très loquace. Oui.
Comme dit Lorraine, on ne s'est pas entraîné pour ça. Voilà, toute l'éloquence était dans les 3 minutes et dans le reste de votre thèse. Après, vous assure avoir du rab si vous voulez aller à leur présentation de thèse, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, hein, pas de pression, on peut rajouter une année. Alors parce que ça a été difficile de choisir, il y a aussi des deuxièmes et des troisièmes qui sont de justesse, qui n'ont pas été choisis, mais de justesse. Alors je vous laisse peut-être donner le deuxième et le troisième prix du jury. Alors en effet, 4 personnes vont nous représenter au Mans dans 15 jours. Donc les 2 autres représentants de Nantes seront Nicolas et Marois. Toutes mes félicitations. Félicitations. Parfait, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous donne peut-être rendez-vous au Mans si certains d'entre vous veulent aller voir la finale régionale. Je vous remercie, n'hésitez pas à leur demander des autographes à la sortie parce que ça fait du bien dans une vie de doctorant d'avoir quelques moments de gloire. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite une très très belle fin de soirée.